Le niveau 9. Un setup débutant et un setup avancé. Le setup débutant, on va passer par l'ascenseur qui est au fond, qui est normalement la strat qui est utilisée en casu bah, par tout le monde en fait, parce que trouver le cut c'est assez difficile. On vise la plateforme qui est là, on ne passe pas par la plateforme intermédiaire. Un saut simple et on l'atteint. Et de cette plateforme, on va viser directement cette plateforme. Si vous avez un peu peur au niveau du setup de direction, c'est vraiment pas compliqué. On setup la direction, on va tout droit, double saut, ça rentre. Si vous avez vraiment très très peur, ou si pour une raison ou pour une autre vous sautez là-bas par réflexe ou parce que vous êtes parti trop vite, passer par cette plateforme, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, l'objectif c'est vraiment d'atteindre cette plateforme-ci. Dans le cadre du setup rapide, en fait, on va skipper l'ascenseur qui est là-bas. Pour ceci, on passe par cette plateforme, on double saute ici, on va bien viser le fond de la plateforme qui tombe, et là, on va longer le mur tout du long. Et au dernier moment, setuper la direction pour avoir un léger contrôle qui va nous permettre d'atterrir sur cette plateforme. Donc, je vous le remontre. On peut même conserver le momentum, ce qui nous permet d'être plus safe sur le setup encore. Et là, vous voyez bien que je tourne la direction quand je vois arriver la fin du mur que je suis en train de, bah, de longer pour atterrir sur la plateforme. Il y a un setup de secours si vous sentez que vous n'êtes pas assez long, c'est de placer par cette plateforme pour ensuite cette plateforme. Donc c'est vraiment un setup de secours si ça s'est mal passé au niveau de la plateforme qui tombe. Ça peut être utile. Et donc d'ici, un saut simple, mur, on continue à avancer pour le air control, on attend que l'ascenseur soit tout en haut, ici, saut timé, et on atteint l'arrivée. Si vous avez peur, un double saut rapide peut permettre d'atteindre l'arrivée aussi facilement. Sans problème, ça va juste faire perdre un petit peu de temps. Donc, je vais le faire juste une fois pour la démonstration, pour bien montrer comment tout peut s'enchaîner ici. Vous voyez, si on part même du fond de la plateforme au moment d'atterrir, on a un peu plus de marge. Et donc, là, un très très bon temps, 11852, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et donc, ça, c'est un setup qui peut passer tel quel en vrai.